préparer pour la rentrée. We're gonna get ready for the first day of school. Okay. Yeah, yeah, yeah. Une calculatrice. Oh, salut Monsieur Steve. Salut Dax. Qu'est-ce que tu faisais avec mon ordinateur? Oh Monsieur Steve, je regardais ta vidéo que tu as fait avec Monsieur Ellis sur la rentrée. Oh cool. La rentrée. Ça c'est la semaine prochaine. Oui Monsieur Steve, c'est la semaine prochaine et je ne suis pas prêt. Non Dax, tu es prêt monsieur, t'inquiète pas. Vraiment? Oui, car tu viens juste de regarder ma vidéo sur la rentrée. Et t'inquiète pas d'apprendre les mots nécessaires maintenant. Mais monsieur, si tu veux pratiquer, je pourrais pratiquer avec toi. Vraiment monsieur Steve? Oui Dax, absolument. De plus, j'ai une idée. Une idée? J'aime beaucoup tes idées monsieur Steve. Veux-tu apprendre des nouveaux mots et phrases pour t'aider avec la rentrée? Yeah! Absolument, Monsieur Steve! Oui, 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 oui! Alors, on va faire ça, nous ensemble et vous aussi. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien recevoir un grand pouce en l'air. Let's get a big thumbs up! Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button if you haven't already. It really helps me out. And parents, guardians, aliens, humans, if you're feeling generous, you've been appreciating what I'm doing, feel free to go and support. You can head over to my Patreon account. Oui, j'ai un compte de Patreon. Et si vous voulez, j'ai un merch store où vous pouvez acheter un autocollant, a sticker, un t-shirt, Yeah! Et tout le monde, j'ai aussi un compte d'Instagram. I have an Instagram account. Il y a beaucoup d'informations. There's lots of information. Il y a des idées pour les leçons, ideas for lessons. Et même des photos avec moi. And even pictures of me. Yeah! Yeah! Dax, tu dis, il y a beaucoup. Yeah! Alors Dax, je vais bouger l'ordinateur. C'est OK avec toi? Oui, Monsieur Steve, je vais t'aider. OK. Merci Dax. De rien, Monsieur Steve. Alors, pour commencer, il y a toutes sortes de différentes façons d'apprendre, n'est-ce pas Dax? Oui, Monsieur Steve, absolument. Alors, il y a des personnes qui vont à l'école, they go to school, mais il y a des personnes qui vont apprendre à la maison ou autre part. Tu as raison, monsieur. Alors, apprentissage à distance. Apprentissage à distance. Apprentissage à distance. Apprentissage à distance. Distance learning. Enseignement à la maison. Enseignement à la maison. Enseignement à la maison. Enseignement à la maison. Homeschooling. Et tu viens juste d'utiliser un portable. Un portable. Un portable. Un portable. A laptop. Une tablette, une tablette, une tablette, une tablette, a tablet, les haut-parleurs, les haut-parleurs, les haut-parleurs, les haut-parleurs. Speakers, on écoute la musique. Et si on n'utilise pas les haut-parleurs, peut-être on a les écouteurs, les écouteurs, les écouteurs, les écouteurs. Earbuds or headphones. Les profs ont beaucoup de ça. Une réunion, une réunion, une réunion, une réunion. A meeting. Il faut faire ça à l'école pour réussir. Étudier, 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 étudier. To study. Il faut aussi faire ça pour réussir. Pratiquer, 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 pratiquer. To practice. Il y a une expression en anglais. Practice makes... Parfait. Yeah. Perfect. Il faut pratiquer pour ça. Une dictée. Une dictée. Je n'aime pas les dictées. Ça, c'est pas le mot, Dax. Ça, c'est une phrase. Et ça, c'est ton opinion, ton avis. Oui, je sais, Monsieur Steve. Alors, une dictée. Une dictée. Une dictée. A dictation, like a spelling test. Et Dax, il faut pas s'inquiéter avec les dictées. C'est juste pour apprendre. Et si on fait les erreurs, c'est d'accord, monsieur, c'est juste pour la pratique. Et quand on fait les erreurs, ça c'est quand on apprend.
Oui, je sais, Monsieur Steve, je sais, tu as raison. Je sais que j'ai raison, Dax. Et j'adore le prochain. Un montre et raconte. Montre et raconte. Montre et raconte. Montre et raconte. Show and tell! Yeah! J'adore les présentations de montre et raconte. Et j'ai hâte à voir et entendre ce que mes élèves de cette année vont préparer pour moi. Oui, moi aussi, Monsieur Steve, j'adore faire les présentations de montre et raconte. Une étagère. A shelf. Un tiroir. A drawer. Un panier. A basket. Une étiquette. Je vais donner les étiquettes à mes élèves pour apprendre leur nom. Une étiquette. A label. Un terrain de jeu. Un terrain de jeu. Hey, Monsieur Steve, tu as fait une vidéo sur les terrains de jeu. Le vocabulaire, n'est-ce pas? Une vidéo de Fast French? Oui, Dax, tu as raison. Très souvent, vous voyez les professeurs qui vont là pour manger le déjeuner ou pour pause. Le salon du personnel. Mais on peut aussi dire la salle du personnel. Ça veut dire the staff lounge ou le staff room. Et maintenant, quelques phrases pour nous aider. Oui, j'aime les phrases. J'ai fini. I'm finished, I'm done. Mais il faut pas dire je suis fini. Si on dit je suis fini, ça veut dire je suis bon. Alors, jamais je suis fini, c'est toujours j'ai fini. J'ai fini. Oui, Dax, absolument, j'ai fini. Comme j'ai fini avec la phrase j'ai fini. Je ne comprends pas. I don't understand. Et Dax, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Monsieur Steve, je répétais la phrase. Je ne comprends pas. Tu comprends que tu ne comprends pas, hein? Ok, Monsieur Steve, arrête. Ok, Dax, je vais arrêter. J'ai fait mes devoirs. I did my homework. Monsieur Steve, est-ce que tu donnes les devoirs à tes élèves? Eh, parfois, mais pas très souvent. Ils font beaucoup de travail déjà en classe avec moi. Oh, ok. J'ai vérifié mon travail. I checked my work. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut toujours vérifier votre travail, mes amis. Ok? J'ai faim. Et Dax, qu'est-ce que ça veut dire? I'm hungry. Oui, absolument, j'ai faim. Tu sais quoi? J'ai faim maintenant. Alors, on va arrêter là pour maintenant. Non, je veux continuer! Dax, tu peux pratiquer avec moi après, ok? Et vous à la maison, vous pouvez regarder cette vidéo encore et encore et encore et encore et encore. Ok? Mais, avant de partir, mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, donne-la un grand pouce en l'air. Give it a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button. And parents, guardians, aliens, humans, feel free to check out my Patreon account. You want to go to support? Et aussi mon merch store, où vous pouvez acheter un t-shirt ou un autocollant. Alors, au revoir et au revoir. Au revoir, mes amis. Au revoir. Et bonne rentrée, mes amis. Yeah! Au revoir et à la prochaine.